მოგესალმებით, მე ვარ მაია თევზაძე და ჩვენ ვიწყებთ ფრანგული ენის სტილისტიკის კურსს. პირველი ლექცია, ისევე როგორც ყველა კურსის პირველი ლექცია, ეხება თვითონ საგანს, სტილისტიკის საგანს, მის ურთიერთობებს კავშირს სხვა მეცნიერებებთან და საერთოდ ზოგად ცნებებს. ესე იგი, objet de la stylistique, ses liens avec d'autres sciences. Plan, introduction. Formation de la stylistique en tant que discipline linguistique. Définition de la notion du style. Stylistique linguistique, son objet. Rôle de Charles Bally dans la formation des notions générales de la stylistique linguistique. Stylistique littéraire, son objet. Lien de la stylistique avec d'autres domaines scientifiques. Place de la stylistique parmi les disciplines linguistiques. Et la conclusion. La première question. Introduction. Formation de la stylistique en tant que discipline linguistique. La stylistique étudie le style. Mais la catégorie de style n'a pas de définition univoque. Le terme provient du grec stylos, qui désignait pendant l'Antiquité un instrument pour écrire, poinçon, baguette, dont un bout était pointu et l'autre plat, servant à écrire sur des tablettes enduites de cire. Du bout pointu, on traçait les lettres, du bout plat, on les effaçait au besoin. Plus tard, ce terme était employé pour désigner la manière d'écrire, l'art d'écrire et de composer des discours, ou, autrement, l'art oratoire qui faisait objet d'une discipline spéciale connue sous le nom de rhétorique. Du point de vue historique, la stylistique est très étroitement liée à la rhétorique. À ses origines, on trouve Aristote et avant tout ses deux œuvres d'importance primordiale, la rhétorique et la poétique. En ce qui concerne la rhétorique, son rôle essentiel dans l'art de persuader, grâce auquel un locuteur ou bien un orateur entraîne ses auditeurs à accepter son point de vue, même si a priori ils avaient un point de vue différent, la rhétorique établit trois grands types d'éloquence, selon qu'on veut persuader sur le vrai ou le faux, le juste ou injuste, l'utile, honorable ou le dommageable, déshonorant. La rhétorique, chez les anciens, Aristote, Cicéron, Quintilien, était à la fois un art de l'expression littéraire et un code de règles qui permettait d'apprécier l'art des orateurs et des écrivains. Les conseils de la rhétorique élaborés à cette époque étaient étroitement liés avec les idées philosophiques des auteurs de l'Antiquité. La rhétorique à cette époque-là, disposait déjà d'une théorie des tropes et des figures et d'un schéma de la composition des discours des orateurs qui comprenait introduction, division, affirmation, réfutation et conclusion. Le poète romain Virgile, auteur des Bucoliques, les Géorgiques et de l'Énéide, dresse le schéma de la communication littéraire sous la forme d'une circonférence où chaque zone correspond à tel ou tel style. La route de Virgile. C'est sous la forme de la rhétorique que la stylistique était transmise à travers le Moyen-Âge vers la période de 15e-18e siècle. En France, la notion du style a toujours préoccupé les savants et l'opinion publique. Au XVe siècle, le problème des tropes et des figures était évoqué dans les œuvres du célèbre poète français François Villon. Petit testament, grand testament,
Épitaphe, Ballade des pendus. Au XVIe siècle, Étienne de Montaigne parle du style dans les essais et croit que le style doit refléter la réalité. Les poètes de la Pléiade avaient formulé leur conception littéraire et linguistique qui présentait un grand intérêt pour l'évolution de la stylistique française, parce qu'ils traitaient des problèmes de l'enrichissement du vocabulaire et du choix des moyens d'expression. L'un des savants qui ont donné de l'essor à l'évolution de cette science était Du Bellay. Au XVIIe siècle, les gens de lettres, les grammairiens, les écrivains et les poètes s'intéressaient beaucoup aux problèmes de la langue et du style. Vaugelas, Malherbe, Boileau. Les ouvrages de Vaugelas, Remarques sur la langue française, et de Malherbe, Commentaires sur des portes, contiennent des remarques précieuses sur la valeur stylistique des mots et des tournures grammaticales, sur les différences sémantiques et stylistiques des synonymes. Le courant de purisme était lancé à cette époque. Vaugelas privilégie le bon usage et trouve que la norme du français correspond au parler de la plus saine partie de la cour. Boileau, poète et théoricien du classicisme français, définit dans son art poétique les genres littéraires et les procédés d'élocution propres à chacun de ces genres. Dès cette époque, la notion des genres littéraires devient inséparable de celle du style. À chaque genre correspond un style déterminé, c'est-à-dire des modes d'expression rigoureusement définis, non seulement en ce qui concerne la composition, mais également en ce qui concerne le vocabulaire, la syntaxe, les figures et les tropes employées. Au XVIIIe siècle, Voltaire, Condillac, Diderot, Marmontel et Buffon se préoccupent des problèmes du style. L'Académie française fait la différence entre le style élevé dans les tragédies et odes, le style moyen, c'est le roman, le récit, le style simple, comédie, farce, fable. En 1909, Charles Bally, adepte de l'école saussurienne de Genève, publie son traité de stylistique française où il propose sa définition de l'objet de la stylistique. La stylistique étudie l'effet d'expression du langage du point de vue de leur contenu affectif, c'est-à-dire l'expression d'effet de la sensibilité par le langage et l'action d'effet de langage sur la sensibilité. Ainsi, c'est le contenu affectif du langage que Bally considère en tant qu'objet de la stylistique. Bally s'attache à l'étude du français tel qu'on le parle, refusant de s'interroger sur l'emploi qu'en font les écrivains, ce qu'il croit être un problème de critique littéraire, débordant du cadre des recherches stylistiques. Comme méthode principale de recherche stylistique, Charles Bally recommande d'établir les différences des formes susceptibles d'exprimer les mêmes idées dans la pratique discursive. Mais la littérature a continué à intéresser les stylistes. En 1941, Jules Marouzeau, philologue français renommé, a publié son cours sommaire de la stylistique française intitulé « Précis de stylistique française ». Nous y trouvons une conception de l'objet et des tâches de la stylistique qui diffère de celle de Charles Bally. Selon Marouzeau, cette science est appelée à étudier les principes du choix d'effets d'expression en partant du but et des circonstances de l'énoncé, mais en se basant sur des échantillons des textes littéraires. Guidé par ce principe, Marouzeau dresse un inventaire des ressources expressives du français littéraire, accompagné d'exemples tirés de préférence de bons auteurs. Emploi des sons, des mots, des catégories grammaticales,
construction de la phrase, versification. À cet inventaire, Maruso ajoute quelques remarques sur les particularités de style propres aux différents genres littéraires, prose et poésie, ainsi que sur les caractères essentiels des styles du français parlé et écrit. De nombreux savants ont participé à l'évolution de la stylistique française. Parmi les auteurs du XXe siècle, ce sont notamment Mitterrand, Martinet, Géorgin, Quiroz. Au cours du XXe siècle, les principes et les méthodes des recherches en ce domaine ont été élaborés de manière exhaustive. La définition de l'objet et des tâches de la stylistique en tant que science philologique se trouvant complétée par une approche communicative. La divergence qui caractérise néanmoins certains points de vue sur les concepts fondamentaux de la stylistique témoigne de la complexité de cette science.